En cette matinée du 28 mai 2013, notre bateau, le MSC Poesia, remonte le Storfjord et le Sunnilsfjord en direction de Hellesylt. Il est 5h30 du matin et le temps est frais. Nous avons choisi de faire une excursion de la journée qui va nous conduire de Hellesylt à Geiranger. Le Poesia a accosté à Hellesylt et débarque uniquement les croisiéristes ayant réservé une excursion. Nous admirons un torrent de montagne. Regardons le Poesia quitter Hellesylt en direction de Geiranger. Puis nous montons dans notre car en route pour un périple qui se terminera à Geiranger. Notre premier arrêt a lieu au pont d'Ondola, qui a été construit en 1813. Voici l'anneau en pierre dans lequel devait passer la future épouse pour s'assurer qu'elle n'était pas enceinte. Arrêt sur les bords du lac Hornindals, ce lac est le plus profond d'Europe. Nos amis croisiéristes, Mickey et Michel. Nous faisons un arrêt sur les bords du lac Hopstrinvatnet.
Nous faisons un arrêt photo juste avant notre déjeuner. Voici le chauffeur de notre car. Notre guide de nationalité française, Jésus, en grande conversation. Nous arrivons à l'hôtel-restaurant Videsetter où nous allons déjeuner. Du restaurant, nous avons un joli point de vue sur la vallée de Yell. Nous nous dirigeons vers un joli torrent de montagne avec une belle cascade. Nous arrivons à Das Niba, à 1500 mètres d'altitude, d'où nous avons une vue panoramique sur les montagnes environnantes. Nous avons également une vue plongeante sur le fjord Geiranger. Thank you.
Lors de notre descente sur Guéranger, nous faisons une halte pour filmer notre bateau, le Poesia, qui est ancré au fond du fjord. Nous avons rejoint notre bateau en chaloupe. Le Poesia quitte Guéranger. Nous passons devant la cascade des Sept Sœurs.